Dieu qui me regarde. C'est Dieu qui me regarde. Parce que les cycloniques, très fort. Très bientôt, vous va enlever toute sa maison de, au bord de la mer à transporter sur la montagne. Mais avant le cyclone de Bio a plevé, il y a eu bon la mer. Oui, oui, nous tous d'accord. Nous tous d'accord. Nous tous d'accord. Au bord de la route, de la montagne, de... au face de la mer. Au face de la mer. Dans le village de pêcheurs d'Embouchure-Malette de la commune d'Ancedénau, la prière de Nocilia était prémonitoire. Avant que le vent et la mer n'engloutissent le lieu où elle vivait, le comité des femmes d'Embouchure en connaissait déjà tous les dangers. Le malheur du peuple haïtien n'est pas une fatalité. Et les gens sont frappés par les grands vagues de la mer, on détruit. Maintenant, on a des problèmes à reconstruire sa maison ailleurs. La population demande à tous les instants concernés et apporter leur secours aux gens frappés ici partout, par toutes les catastrophes naturelles. Message prophétique. Une catastrophe annoncée dans ce village vivant dans une extrême pauvreté. Les projets étaient nombreux, la population reprenait espoir. On a remarqué que chaque fois qu'il y a un raz-de-marée, eh bien, il y a des maisons qui partent, et voyez-vous, qui sont détruites sur le rivage. Alors on a proposé à certains aux pêcheurs de déplacer les maisons de l'autre côté de la rue. Et alors, on va construire un nouveau village de pêcheurs. On leur construit des maisons complètement équipées. Ensuite, on leur trouve un lopin de terre. Ils pourront cultiver un jardin comme les places à vivre dans la tradition de la paysannerie haïtienne. Et on leur donne un poulailler, on leur donnera des chèvres, on leur donnera des bovins. Et comme ça, on les intégrera en dehors du circuit pêche, on les intégrera dans un circuit économique qui leur permettra de vivre bien et de vivre mieux. Le 4 octobre 2016, le ciel s'est assombri. L'ouragan Matthew a tout balayé sur son passage. Le silence d'un village pulvérisé où errent quelques fantômes. Des toits envolés, des squelettes en bois désarticulés. Des arbres comme des centaines de Golgotha. Une barque posée là où devait se dresser une maison. Hasard géographique qui a placé ces villes côtières d'Haïti sur la route des cyclones. Embouchure-Malette en connaissait tous les dangers. Il voulait les anticiper. Avec l'aide de l'association des maires de la Grandence, l'AMAGA, et l'ONG Food for the Poor, ses habitants commençaient à s'inventer un avenir. C'est l'écrivain Jean-Claude Fignolet qui, en découvrant la beauté du lieu, en fut le premier séduit. C'était en 2015. Donc je ne connaissais pas ce village. Et puis je prends la bifurcation, je débouche sur cet arc de cercle-là. Je me suis dit, oui, foutre ! Quel magnifique endroit. Et alors, je continue. Je mange, je rencontre des jeunes. Et je leur ai dit, mais c'est pas possible, vous avez un si beau village. Et puis, je remarque, vous faites de la plage un lieu, une site de décharge pour les détritus. Et c'est là que vous déféquez aussi. Et ils m'ont dit oui, mais c'est parce que nous n'avons pas de moyens de faire autrement, etc., etc. Donc je leur ai dit, et si on vous aidait à faire autrement? Ils me répondent que
il y a toujours des gens qui viennent, qui promettent, qui s'en vont et qu'on n'entend plus parler d'eux. Je leur ai dit, écoutez, c'est possible. Mais moi, je vous dis que si vous êtes d'accord, si vous prenez l'initiative, eh bien bon, Amaga va vous appuyer. Cette rencontre inattendue créera une situation nouvelle exceptionnelle pour ce village. De quoi dessiner un nouvel avenir. Une association de jeunes fut créée officiellement, bientôt rejointe par une association de femmes très active. On commença par nettoyer et rendre propre la plage. C'est comme si, ça veut dire que le président d'Atlantique doit chercher un côté, soit qu'il l'achète, au moins qu'il l'achète pour l'acheter, parce que le papa nous a fait mieux pour nous mettre fatra. Je m'entends avec eux, je leur dis, bon, qu'est-ce qu'il vous faut pour nettoyer la plage? Ils me disent, pour le moment, il leur faut une brouette, il leur faut des pelles, des pioches, etc. Je leur envoie ça. Et une semaine après, je viens pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait de ces outils. La plage était impeccable. C'est longtemps qu'on n'a pas de café. C'est pire pour sous des petites têtes, pire pour marcher, pour pire pas piler. Ça joue pas de café. C'est grâce à Estafamaga. Tout le monde qui est venu, il a plongé, il a nagé. Ça a fait la natation, il a fait la planche, parce que Benoît est important. La trine en premier lieu. Parce que avec la trine, non, mon dans café, ça le besoin, hein, il gagne la trine, il peut le faire, il pas venir voyer dans la mer, ni le pas jeter l'eau bord de la mer, bord de la mer après t'es propre, travail là à marcher, parce que nous ouais, nous gagne nécessité la trine, non, en premier lieu. C'est la MAGA qui est responsable du projet et qui va gérer le projet en commun avec la population, parce qu'on va monter un comité dans le village pour gérer le projet. La volonté de garder la plage propre, mais aussi la menace du choléra qui a fait plus de 10 000 morts en Haïti, le désastre sanitaire que représente 2 km plus loin la plage d'Ansdeno, ont conduit la MAGA à penser à l'assainissement du village, installer des latrines et en débattre avec la population. Bon, sur la latrine, d'abord moi-même, si chaque mois on ne veut pas gasser des latrines, pour chaque caille, l'embouchement a besoin. Même qu'on est, si vous avez 50 cailles qui t'a joué, même si tu as bénéficié à 5 personnes, pays à pays, je finis, venez voir l'aime, qu'on est, tout caille qui a joué. Toilettes, c'est des toilettes familiales. Ça veut dire qu'il est capable de bailler 4 à 5 cailles, une seule toilette. Donc dès qu'on aura réussi le pari de l'assainissement, tu vois, du village, on pensera à une deuxième phase. Bon, on a déjà pensé à cette deuxième phase parce que. Et on a conclu un accord avec l'agence de voyage Mayamor qui va nous envoyer des touristes dans le cadre de raids sportifs. Donc c'est ce que nous voulons appeler des touristes de découverte. Tu vois, des gens qui viendront vivre chez l'habitant. Ils sont capables d'arriver à aménager quelques cailles, alors pas du tout cailles, quelques cailles pour les touristes venir. Est-ce qu'ils sont d'accord? Bon, nous comptons applaudir. Avec une population de plus de 50% de jeunes de moins de 21 ans, le village est confronté, comme toute la province, à l'exode rural vers Port-au-Prince. Le problème majeur, c'est qu'ils ne font rien. Il n'y a pas de travail. Donc, il n'y a pas de revenus. Alors je leur ai dit, écoutez, je peux vous proposer quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Proposez-nous. Je leur propose de monter un jardin maraîcher communautaire. Eh bien bon, ça a pris. La formation et la création de jardins-écoles, le soutien des techniciens agricoles, la semi-mécanisation, la maîtrise des semences et de l'arrosage ont permis à ces jeunes agriculteurs de relancer une culture maraîchère rentable. Dis-moi, papaye. C'est par des sentiers souvent difficilement accessibles qu'on accède à des plantations dont les produits ont fait la fortune de la colonie au XVIIIe siècle. Le cacao. L'arrière-pays est un pays de cacao. Et
Amaga est en train de développer un projet de cacao. Je leur avais parlé de ça, j'ai l'impression qu'ils ne m'avaient pas cru. Mais je leur avais dit qu'ils avaient une richesse et qu'Amaga va s'intéresser à développer ça. L'imagination haïtienne est très féconde. Les producteurs de cacao de la coopérative Danse des Nos nous le montrent en improvisant sur les bienfaits et la qualité de leur cacao. Et Vradinaï en vivine la caillou, les autant des sortes de cacao, les autant des sortes de chocolat, ça qu'a fait la caillou. Et vraiment, on met ma chèque 4 coins pays, ou pas foutu de chocolat qui sent si bon. C'est ça qui fait le goût de pas laisser, nous ne pouvons pas jamais se faire acheter. Non seulement les goûts, et puis le sent si bon, sent la nature. Et puis l'odeur, à monter avec vapeur, il renforce l'amour. Et avec l'odeur, ça aromatique. Il romantique tout parce que ça fait ménage à ménage vin plus près. Nous invitons sourire ménage ou sourire madame pour tes chocolats pour lui. Sourire ménage ou pour tes chocolats pour lui. Mais pour qu'il soit pas porté pour maman ou pour qu'il soit pas porté pour petit tout. Par le fait que yo connaît ça chocolat bon, il a fait de beaux ménages et ça a amélioré la famille d'Haïti, la famille d'Agrotos. Et pourquoi pas le monde. En 2016, l'ONG américaine Food for the Poor, déjà présente dans le secteur de la pêche dans plusieurs communes de la Grand'Anse, s'associe à la MAGA pour venir en aide à la population du village d'Embouchure-Mallette. Pour les gens d'ici, c'est la pêche. C'est la pêche. Parce que l'un de poisson, là, tu marches de gonner chez là, pas un côté plus conservé. Nous pas gagner gros machin, nous pas gagner comme la gonne qui est glacière, nous pas ça. Parce que c'est du bon fin, négo fin de la mer là, et qu'on a vu là, il y a vendu des machins de crédit, pas un cob. Et négo, mais depuis que tu as mis ta suite, je dis madame, yomé. Maïtel pour 30 dollars, man 30 dollars, maïtel 35 dollars, man 40 dollars, 25 gouttes, si possible. Moi-même, bagage brasse, parce que sous côté ciel avec pêche à eux. Mais tout ça, sincèrement, les autres en mer, sans péché, je ne vais pas vivre. Parce que je ne vais pas maman, je ne vais pas papa, je ne personne. Faute de bateaux adaptés pour aller au large, la ressource s'épuise sur les côtes de la Grand'Anse. Les poissons pêchés sur de frêles embarcations n'atteindront jamais la taille adulte. Détruire pour survivre. Face à la détresse lucide des pêcheurs et des marchandes, il existe aujourd'hui un moyen d'en finir avec cette économie de survie. Les pêcheurs Danse des Nos ont été parmi les premiers à expérimenter les dispositifs de concentration de poissons, les DCP. Ces dispositifs rudimentaires composés d'un câble ancré par un ballast au fond de la mer sont repérables par des bouées en surface. Des morceaux de sacs, de bâches ou de filets piègent le phytoplancton que mangent les petits poissons qui attirent à leur tour les gros migrateurs. Sont généralement condamnés à pêcher des poissons moyens ou de gros poissons, alors sur les DCP. Mais maintenant, le problème est autre quand il s'agira de réguler les pêcheurs qui vont se placer leur nasse sur le plateau continental, parce qu'eux-mêmes, ils ramassent tout. Et de plus en plus, ils vont à des nasses avec des trucs, des mailles très, très, très petites, ce qui ne laisse pas passer les petits poissons. Or, c'est ça qu'il faudra gérer. Je ne sais pas comment ils vont s'y prendre pour pouvoir inculquer cette discipline aux autres pêcheurs de pouvoir relâcher les petits poissons qu'ils pêchent. Est-ce que tu as aimé à le pêcher sous DCP? Oui. Bon, si tu as fait ça pour nous, tu as fait pour nous.
Parce que nous même pêcheurs, parce que si nous avons des flas ici à là, nous avons un projet pour nous, nous n'avons pas une pièce. Oui. Mais ce que j'aime dire encore, nous avons tellement ici à un problème à faire des barres ça. Si on mourit le bois, soit tout comme ça vient, on va être mourir, mais nous n'avons pas une flas mal dehors. Daniel, M. Remy, Basile, et puis. Les associations d'embouchure mallette s'organisent. Un projet se dessine avec l'appui de la MAGA. Donc c'est toute une équipe. Toutefois, de pouvoir affilier avec l'association, l'immander pour nous travailler une liste pêcheurs dans liste. Le message est entendu par l'ONG Food for the Poor. Un local est construit pour les pêcheurs en attendant l'arrivée des bateaux motorisés. La maison qu'on leur construit, qui est un lieu de stockage, et ça va servir aussi de lieu de congélation pour le poisson, et ça va servir aussi de lieu de réunion pour les pêcheurs. Comme monsieur et Fiole vous a dit, il nous a servi intermédiaire entre Food for the Poor et l'association. Alors nous sommes contents aujourd'hui et je suis fier d'être parmi vous afin de bien pouvoir accompagner notre population. Et nous avons travaillé entre Food for the Poor et Amaga pour puisse donner des résultats aux gens déminés. Jodi a groupe femme nan mette ville propre. Avec ville propre, n'a prévive n'a gen bateau flyboat à moteur et puis là nous gon problème secouris, nous gantan au caille. Nous pas besoin aller en Sdeno pour n'al prêter parce que monsieur Jean-Claude Fiolet avec groupe fort de pou aider nous à rejoindre la vie. C'est la vie. Moi, c'est un dirigeant fondation Pêche-là, association Pêche-là. Ça veut dire, moi, bien content en ville, lorsque les gens viennent aider de nous, son gros satisfaction lié, son gros support lié, parce que autrefois, nous n'avons pas de bagaille ça. Mais je ne dis pas que nous venons porter support pour nous, c'est que nous sommes son gros bagaille lié. Mais bon, Dieu lui-même, il compte tout ça à faire, c'est de qui est nous là, nous quand même. Parce que moi, je suis payé après voler l'embouchure. Parce que je suis content en pile. À votre moment content, c'est le madame m'a qui est moins fait. Nous comptons lorsque nous venons matériel ça et puis pour nous pêcher pour aller plus loin. Et des types sont dans la zone ici, ils sont obligés au moins, ils font nous pas faire beaucoup bon d'affaires. Mais si je ne veux dire nous venons financer nos bateaux ça et puis pour nous aller je viens qu'un petit groupe sont dans fond la mer. Nous sommes son gros bagaille, son économie l'a fait pour petite nous, pour celle nous, pour famille nous, pour toutes les amis tout, pour toute société à tout parce que c'est pas pour celle nous mon bagaille, c'est pour nous toutes zones bagaille. Recevant ces quatre bateaux, l'association des pêcheurs s'engage à constituer pour chacun d'eux des équipages de 4 personnes qui s'organiseront par roulement. Donc ça fait 4 x 4, 16 personnes qui peuvent aller pêcher le matin. Ils reviennent vers midi. Il y a une autre équipe qui peut partir aussi. Donc ça vous fait 32 personnes par jour. Dans les jours qui suivent l'arrivée des bateaux, un événement très attendu va changer la vie de la population d'Ansdé. Les habitants d'Embouchure Mallette vont pouvoir enfin avoir accès à l'eau potable. C'était une demande très forte exprimée par les femmes du village. Ici, les gens du village ont une puits qui épuise de l'eau et non potable. L'eau, ça, on lave le linge, on lave les assiettes et bouillir. Au cas à bouillir, au cas à bouillir, manger avec lui, parce que quand l'eau a bouilli, tout le microbe s'est volté. Mais l'eau, le potable, c'est la source de haute montagne. Va aller chercher à boire. Moutez, ou à jambé de l'eau, ou à mouter moins de tout pour aller l'envaler, ça, pour aller chercher de l'eau. Donc c'est un programme à deux volets, un volet de latrinisation et un volet l'accès à l'eau potable. On a procédé d'abord par une visite de prospection où les techniciens de la firme Water for Life sont venus prendre les coordonnées géographiques de chaque point. Les gens qui sont là, ils savent que ce puits-là, c'est un puits public, que la MAGA, de concert avec la mairie, avec le financement des collectivités françaises, l'Agence de l'eau de la Bretagne et puis avec l'apport de Food for the Poor. Donc c'est un puits que les gens accueillent à bras ouverts, ils sont contents, vous voyez leur visage, ils sont contents que l'on a pu forer ce puits ici. Combien de temps nous prenons pour ça pour aller chercher de l'eau? Ah, nous passons mise en pile.
juste derrière l'autre bord. En pile temps. On a de l'eau juste l'autre bord. Là, moi, elle est portante. Je suis content, je suis content, je suis content. Ok. Si nous sortons les matins à chercher de l'eau. Oui, les matins nous sortons, les si comme ça nous devons encore rentrer. Vraiment? Oui, côté de l'eau. Okay. Donc avant c'était très difficile pour eux d'aller. Donc on a écouté la femme là. Avant, on partait le matin aller chercher de l'eau et puis on revenait l'après-midi. Donc c'était très difficile. Maintenant qu'on aura ce puits ici, on va résoudre ce problème de l'accès à l'eau potable. Donc ici c'est l'eau, il y a aussi les latrines, d'empêcher aux gens de déféquer. Et il y a même le sol, donc apporter l'eau potable, il y a le choléra, il y a les maladies, etc. Donc on essaie de vraiment d'améliorer les conditions environnementales et sanitaires des populations de l'Anzeno. Malgré la réalité tragique du 4 octobre 2016, l'eau potable est toujours là. Les bateaux de Food for the Poor ont miraculeusement survécu à la catastrophe et la maison des pêcheurs va bientôt retrouver un toit. Dans toute la Grand'Anse, des branches reverdissent sur des troncs d'arbres que l'on croyait définitivement perdus. Pour les planteurs de cacao, le défrichage n'est plus une tâche impossible et désespérante depuis que les tronçonneuses ont pris le relais des machettes. Il faut reconquérir la terre pour planter à nouveau. À Embouchure-Mallette, les habitants de ce village sont prêts à faire revivre tous les possibles, mais pas tout seuls.